On va tout de suite enchaîner avec Gilles Ferragu qui a fini par nous rejoindre et qui va s'installer. Gilles est maître de conférence HDR à l'Université Paris-Ouest. Je vais le présenter rapidement en changeant le PowerPoint si tu veux t'installer. Donc Gilles Ferragu a de nombreuses sphères de compétences, on peut dire, puisqu'il a travaillé d'abord sur les relations internationales, sur la diplomatie. Puis il s'est intéressé, comme vous pouvez le voir ici, à l'histoire du terrorisme sur deux siècles, 19e, 20e, à l'histoire coloniale et puis assez récemment dans son histoire des otages, voilà, qui est en poche et qui vraiment traverse l'ensemble des périodes traditionnelles, médiévales, modernes, contemporaines, etc. Ce qui est intéressant ici, notamment pour les programmes, c'est la manière dont, à travers cette thématique sur l'histoire du terrorisme en Méditerranée, au XXe siècle, il va pouvoir vous donner des outils sur la question des relations internationales aussi et sur ce que le terrorisme fait à ces questions-là. Donc Gilles, on est vraiment heureux de t'accueillir et de pouvoir te voir te réchauffer en nous parlant. Merci beaucoup pour une heure. Merci Nicolas. Bien, je vais déjà vous épargner toutes les mauvaises blagues sur le rapport entre la Méditerranée et l'ambiance boréale de cet amphithéâtre. Pour attaquer directement peut-être avec la question de la définition. On parle là d'un phénomène que l'on connaît parfaitement dans le sens où on le vit, où on le voit dans les médias, ou pour certains même on l'a connu. Je parle trop près du micro. Plus près. Ok. On parle d'un phénomène qu'on connaît bien parce qu'on le pratique, que ce soit dans les médias ou parfois dans la vie réelle, ce qui est plus dramatique. Un phénomène toutefois qu'on a du mal à définir. Le mot même de terrorisme pose problème. Un phénomène que, même au niveau des institutions, on a du mal à définir. Et peut-être qu'en introduction, on peut déjà constater que les définitions du terrorisme, il y en a plusieurs. Il y a des auteurs qui se sont amusés à les comptabiliser de par le monde. On en trouve à peu près 250 qui développent toutes des moyens différents. Pour reprendre très rapidement le sujet, histoire de savoir de quoi l'on parle. À l'origine du mot, vous avez le latin terrere, qui décrit une peur spécifique, une peur qui fige, donc qui empêche de réagir. Et tout l'enjeu là du terrorisme, c'est effectivement de provoquer une réaction, ou plutôt de provoquer une absence de réaction. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans l'histoire, le mot terrorisme apparaît tardivement. Il apparaît au moment de la Révolution française pour désigner une politique étatique, une gestion étatique par la violence de la question sociale et de questions politiques. Le terrorisme est à l'ordre du jour, etc., etc. La terreur, hein, tout ça, je pense que vous connaissez. Donc, c'est d'abord une politique d'État, puis dans un deuxième temps, très rapidement, le premier attentat causé par des minoritaires date de la Noël 1800. Donc rapidement, ça devient une politique menée par des minoritaires pour déstabiliser un État. Donc là, on rentre dans un cycle de violence politique. C'est en France, et la cible est à l'époque le premier consul de la République, c'est-à-dire Napoléon Bonaparte. Et à partir de là, on rentre dans ce qu'on appellerait une histoire du terrorisme contemporain, qui est celle qui m'a intéressé. Mais dans l'absolu, et on rebondit finalement avec cette question de la Méditerranée, on peut aussi envisager le terrorisme comme un répertoire d'actions qui emploie la terreur, qui utilise la terreur, et par conséquent, certains auteurs vont le faire démarrer quasiment dès l'Antiquité avec les méthodes qui, moi, me semblent être des méthodes de guérilla, qui étaient celles des sicaires ou celles des zélotes dans la Palestine romaine, qui vont être par la suite celles dites des assassins, des hachachines dans l'Orient méditerranéen, l'Orient des croisades, et notamment autour d'une secte menée par celui qu'on appelle le vieux de la montagne, à partir de l'Iran, qui procédait aussi à des assassinats ciblés, pour arriver finalement à cette histoire au long terme autour de la Méditerranée, qui nous pose aussi un autre problème, et là il y a tout un enjeu de géopolitique, puisque vous allez le voir et vous l'aurez compris, la Méditerranée c'est à la fois un espace dans lequel on peut communiquer, c'est un espace qui croise plusieurs civilisations et... même si c'est une théorie qui est très discutable, ce fameux choc des civilisations, c'est une théorie qui a servi finalement de modèle d'explication et de grille d'analyse pour tout un tas de pays qui ont géré la question du terrorisme à partir de cette grille d'analyse. Donc il faut l'intégrer,
elle est discutable, mais il faut l'intégrer. Et le mélange de tout ça fait qu'on est face à un phénomène qui émerge, je dirais, dans ses réalités, dans ses modalités contemporaines, on va dire à partir des années 40-45, on va voir dans quel contexte, et qui, par vagues successives, des vagues idéologiques, se développent jusqu'à nos jours. Donc l'idée, c'est d'essayer de vous présenter ça et de montrer aussi comment ce phénomène, finalement, transforme et réorganise en partie les relations internationales, comment ce qui semble être du domaine de l'extraordinaire, finalement, devient une réalité et même une normalité dans les relations internationales, tant la violence politique est devenue un instrument, un levier, un moyen qui permet d'intervenir directement dans des questions qui ne sont plus désormais des questions locales ou régionales, mais qui sont devenues des questions internationales, que ce soit, on va en parler, de la question israélo-palestinienne, que ce soit par la suite la question syrienne ou irako-syrienne. Bon, on ne va pas parler ni de l'Afghanistan, du Pakistan, ni de ces zones-là, mais on s'aperçoit finalement que le terrorisme est aussi un moyen de mondialiser, d'internationaliser des enjeux qui sont des enjeux locaux ou régionaux. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour ça, je vous propose de commencer avec l'issue du second conflit mondial, où une question se pose qui est une question ancienne, mais qui va prendre une prégnance spécifique, c'est la question dite de Palestine. Question ancienne parce qu'elle s'est posée dès le 19e siècle, qu'elle a vu émerger, on va dire, deux courants nationalistes, notamment à partir de la fin du 19e, le sionisme, hein, qui est un nationalisme ordinaire, mais qui va se concentrer finalement sur cet enjeu-là. Et à partir du début du 19e siècle, du début du 20e siècle plutôt, cette question du sionisme va aboutir à, je dirais, des tentatives de régler les problèmes de la part des puissances, notamment au lendemain de la Première Guerre mondiale, les puissances mandataires, notamment l'Angleterre, après avoir promis à la communauté juive en Europe, et surtout celle qui commence à s'installer en Palestine depuis la fin du 19e, après avoir promis des terres et peut-être un État, se retrouve dans une situation où deux communautés attendent toutes les deux, de la part des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, une solution. Donc ça, c'est, je dirais, la première étape. On va dire que c'est à partir de la promesse de l'accord Balfour et jusqu'en 1920-1930, les hésitations de l'Angleterre confrontées à cette question du sionisme. C'est aussi l'émergence d'un premier terrorisme, un terrorisme qui cette fois est d'origine arabe, palestinienne, autour d'un personnage assez original qui s'appelle le cher Ezzedine Al-Qassam, on est en 1928, qui va monter un premier groupe clandestin d'inspiration à la fois religieuse et nationaliste, une organisation secrète qui lutte directement contre l'installation de colonies juives en Palestine. L'affaire s'arrête assez rapidement, mais il est l'un des premiers à utiliser les mots dans ce contexte de djihad et à appeler ses guerriers des fédaïnes. Et il va servir de modèle à tout un ensemble de luttes nationalistes parties d'Égypte quelques années plus tard. Mais je voudrais commencer sur vraiment l'outil terroriste avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et le développement du terrorisme sioniste, première étape qui va relancer en fait la mécanique. Alors l'histoire de l'implantation entre guillemets des colonies juives en Palestine est une histoire ancienne. Ces colonies se dotent assez rapidement de structures militaires pour se défendre, structure qui s'appelle la Haganah, structure qui pratique toutefois, qui entend pratiquer une politique dite de retenue, c'est-à-dire qu'on se protège mais on n'agresse pas, on n'attaque pas. Et ce débat face à une communauté arabo-palestinienne qui, elle, s'inquiète de plus en plus de ses implantations et est de plus en plus agressive, on a régulièrement des émeutes et des violences, cette question de la retenue va petit à petit basculer et au sein de la communauté juive, on a un partage entre une communauté qui est plutôt située à gauche, pas forcément religieuse, et qui entend maintenir cette retenue, et une communauté plutôt religieuse et plutôt à droite qui, elle, va s'opposer à cette méthode et qui va prôner justement la violence.
Le personnage qui va incarner ça est un monsieur qui s'appelle Avraham Théomi, qui met en place à partir de 1931 une autre aile de la Haganah, la Haganah B, la Haganah Bet, qui lui prône la violence et qui prône finalement une réaction, voire même une logique de conquête. On est dans les années 30, on est encore face à des milices qui s'affrontent. Et on va dire que la question du terrorisme se pose en hypothèse. Comme le signale à ce moment-là Ben Gurion, le terrorisme arabe répond à l'objectif des Arabes, le terrorisme juif nuirait à l'intérêt des Juifs. Donc, l'enjeu, c'est encore un enjeu de défense, mais petit à petit, on voit émerger, à partir de la fin des années 30, des gens qui, eux, sont les partisans de l'action violente, sont des partisans de la violence politique. L'un des premiers personnages s'appelle David Radzil. C'est un élève, entre guillemets, ou un disciple d'Avraham Théomi. Et lui considère qu'il faut passer à une forme de guerre beaucoup plus efficace, sauf que cette communauté juive n'a pas les moyens de mener une guerre technique. Par conséquent, il s'agit de créer une structure clandestine, une structure qui s'appuie, entre guillemets, sur des premiers modèles de groupes terroristes tels qu'on les a vus notamment dans les groupes anarchistes à la fin du 19e siècle, avec des moyens médiatiques, là entre guillemets c'est une radio, des organisations de jeunesse et une propagande qui va utiliser, je dirais, tous les codes du terrorisme à partir de là, notamment l'utilisation des martyrs. À la fin des années 30, on commence à avoir des premières campagnes d'attentats qui visent notamment la population arabe. On a une violence qui coûte quand même près de 200 morts, donc c'est une violence assez importante, et une violence qui va s'interrompre avec la guerre. La Seconde Guerre mondiale impose à ces communautés juives un choix entre les différents adversaires. Est-ce que l'adversaire, c'est l'occupant anglais ? Est-ce que l'adversaire, c'est la communauté arabe ? Ou est-ce que l'adversaire n'est pas plutôt l'Allemagne nazie, qui est en train d'appliquer un programme beaucoup plus dangereux ? Les Britanniques parviennent à attirer Radzil dans leur camp. Ils vont utiliser même son expérience, je dirais, de la clandestinité et du combat, entre guillemets, terroriste, pour l'appliquer cette fois à l'Irak et aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec le colonel Rachid Ali à l'époque, donc là aussi une forme d'indépendance. On va dire que le sionisme est partagé, finalement, entre ces différents objectifs. Une partie, toutefois, de ce groupe, j'ai oublié de citer son nom, qui est l'Irgun, va considérer que l'adversaire numéro un dans un contexte de décolonisation, c'est l'Angleterre. Cette partie va décider une rupture, va décider de rompre avec l'Irgun pour aller beaucoup plus loin, pour se radicaliser. On est déjà dans ce discours et dans ces logiques de radicalisation. Cette radicalisation s'organise autour d'un personnage qui s'appelle Avraham Stern, qui lui va créer un nouveau groupe, les combattants pour la liberté d'Israël, plus connu sous le nom de Lehi, qui va être désigné entre guillemets par ses adversaires comme le gang Stern, et qui va, dès 1940, mettre en place un premier véritable terrorisme sioniste en Israël. En Israël, en Palestine, autant pour moi. Ce groupe, lui aussi, hésite entre les différents adversaires possibles de l'Angleterre, de la communauté palestinienne et de la communauté juive. Le Lehi va être un des premiers groupes en 1941 à proposer justement une alliance avec l'Allemagne, avec des diplomates allemands, un diplomate qui s'appelle Otto von Entig, pour collaborer, pour se débarrasser des Anglais en Palestine. Donc on voit que déjà les jeux, notamment mis en place en temps de guerre, les jeux d'alliance, sont des jeux qui ne sont pas forcément structurés comme on pourrait le penser de la même manière qu'en Europe, mais qui sont des jeux spécifiquement orientaux autour de la violence politique et autour d'un projet de décolonisation, enfin de décolonisation, de conquête d'un territoire de la part des sionistes. C'est un point assez important puisque le Lehi va lui aussi adopter une structure qui est une structure de groupe de résistance, c'est-à-dire notamment un système de comité central, quelques activistes, c'est un tout petit groupe, c'est pas un groupe extrêmement important, mais les enjeux déjà essentiels de la communication, c'est-à-dire de la radio, de la presse, de la typographie, une section de jeunes, donc un tout petit groupe qui
adopte des méthodes et des principes, un répertoire d'actions qui sont ceux de la résistance et qu'on va voir être recopié entre guillemets par la suite dans de nombreuses structures. C'est surtout un groupe qui va s'illustrer par une agressivité extrêmement forte contre les intérêts anglais. À partir de 1941 et de 1942, le Léhi se fait connaître en Palestine par une violence politique forte qui va aboutir finalement à une série d'attentats, à une véritable lutte entre d'un côté les autorités anglaises, la communauté juive sioniste et d'autre part le Léhi. Donc une guerre intestine à l'intérieur de la Seconde Guerre mondiale et une guerre intestine même parfois entre les Juifs eux-mêmes au sein de la Palestine. La question c'est à quel moment finalement ce terrorisme d'origine sioniste va devenir un terrorisme communautaire. À quel moment finalement la communauté décide de basculer à son tour dans la violence politique. Ce qu'on peut remarquer c'est que jusqu'en 1944, seul le Léhi, seul le groupe Stern s'occupe de cette question et développe un terrorisme qui vise directement l'Angleterre. À partir de la fin 1944, les autres groupes sionistes, minoritaires certes, mais violents, comme notamment l'Irgun, décident eux aussi de passer à l'action contre l'Angleterre. C'est ce qu'on appelle le début de la révolte, le mot est utilisé par Begin, le début de la révolte, et on rentre là dans une autre configuration. La guerre est, entre guillemets, loin encore d'être finie, mais les groupes sionistes ont décidé de profiter de ce moment pour se débarrasser des Anglais. Ils revendiquent non pas la Palestine, mais, je cite à l'époque, la Judée et la Samarie, c'est-à-dire qu'ils reprennent un vocabulaire et un lexique qui est celui de l'Antiquité. Ils reprennent aussi des méthodes et un répertoire d'action, l'assassinat ciblé, qui est celui de l'Antiquité. Et ils proposent finalement sur des modèles qui sont ceux, par exemple, de la Narodnaya Volia, c'est-à-dire des groupes terroristes russes de la fin du 19e, de l'Irlande aussi, notamment autour de la guérilla irlandaise au début du XXe siècle, il propose donc des modèles d'action pour se débarrasser des Britanniques. Ça passe notamment par une stratégie qui va allier action et propagande, avec des moyens coordonnés par l'Irgun, qui a une structure beaucoup plus importante, qui vont osciller désormais entre guérilla et terrorisme, des moyens qui notamment vont passer par l'attaque systématique des commissariats anglais, par des opérations militaires de plus en plus importantes. On attaque les cantonnements, on attaque les dépôts, on attaque les pipelines, on attaque les aérodromes. Petit à petit, donc, on est passé, je dirais, d'un terrorisme qui était très ciblé sur les individus à une forme de guérilla qui revendique la violence politique et qui vraiment s'apparente désormais à une tentative pour développer la question et pour l'internationaliser, puisque bien évidemment il y a des échos un peu partout en Europe. Tout cela va aboutir à ce qu'on appelle la révolte hébraïque à partir de 1945. L'Irgun et le Léhi sont désormais ralliés par la Haganah, c'est-à-dire par la milice sioniste dans l'absolu. L'affaire va durer à peu près 10 mois avec des séquences d'attentats extrêmement importantes et des séquences de guérilla extrêmement importantes. L'attentat le plus célèbre, celui qui va faire basculer les Anglais et qui va faire comprendre aux Anglais, entre guillemets, que la situation devient intenable, c'est ce qu'on appelle l'opération Cheek, le 22 juillet 1946. Une attaque contre l'hôtel King David qui va causer la mort de 91 personnes. L'hôtel King David, c'était l'administration anglaise en Palestine. Et à partir de ce moment-là, les Anglais décident de se retirer. Dans une certaine mesure, le face-à-face est extrêmement tendu. Ils utilisent des méthodes qui ont pu être celles utilisées notamment en Irlande sans effet. Et à partir de 1947, 18 février 1947, Londres s'en remet cette fois à l'ONU. C'est-à-dire que la question n'est plus une question, on va dire, locale, elle n'est plus une question régionale, elle est devenue une question internationale. L'un des enjeux peut-être du terrorisme est
la leçon va être prise systématiquement par les autres groupes ou les autres communautés, c'est que cela permet d'internationaliser un problème. Et cela permet de faire basculer le problème, je dirais, à une autre échelle où là, des règlements peuvent arriver. C'est ce qui se passe. Alors, bien évidemment, tout cela ne se règle pas de manière simple. Comme vous le savez, le plan de partage voté par l'ONU, c'est la résolution 181 du 29 novembre 1947, ne met absolument pas fin à la tension. Il pose même de nouveaux problèmes. Hein. Si la proclamation, entre guillemets, de l'État d'Israël est l'aboutissement du rêve sioniste ou du projet sioniste le 14 mai 1948, c'est par contre aussi le moment où va se poser le problème inverse, c'est-à-dire le problème palestinien. Ce qu'on peut remarquer toutefois, et ce qui est important, c'est que la proclamation d'Israël ne règle pas la question du terrorisme sioniste. On a encore un attentat assez important le 17 septembre 1948 à Jérusalem, lorsque le négociateur, je dirais, de la paix, le médiateur, le comte Folke Bernadotte, envoyé par l'ONU, est là aussi assassiné par le Léhi, un attentat qui va être revendiqué bien des années plus tard, en 1977. Mais on voit donc qu'il y a aussi, et dans l'histoire d'Israël ça peut être intéressant, des habitudes prises, ou en tout cas un niveau de violence qui s'est imposé dans la vie politique et qui va persister. Le terrorisme, c'est aussi une forme d'éducation, c'est aussi un degré de violence auquel les sociétés s'habituent et peuvent recourir, et un degré de violence qui devient petit à petit légitime. Il faudrait évoquer la manière dont les anciens groupes terroristes, notamment l'Irgun et le Léhi, vont se réorganiser politiquement. La question de la sortie du terrorisme est extrêmement intéressante, que ce soit en Irlande, que ce soit dans le Pays Basque, que ce soit là pour le coup en Israël. C'est toute l'histoire aussi de la naissance du Likoud, donc de la droite israélienne après les premières étapes, et c'est toute l'idée, enfin toute la question de se poser comment est-ce que les anciens terroristes vont intégrer, assimiler, assumer l'entrée dans une société politique et en même temps finalement se débarrasser ou pas d'un discours qui était un discours de violence politique. Ça, c'est une autre question qui intéresse peut-être plus la vie politique israélienne, mais qui pose problème en fait. Comment est-ce que finalement la mémoire de cette violence politique persiste dans la vie politique israélienne actuelle? La deuxième étape, et vous la connaissez aussi, c'est ce qu'on va appeler de l'autre côté, côté palestinien, la Nakba, c'est-à-dire le désastre. C'est d'une part une immense partie de la population arabe palestinienne qui est contrainte à l'exil, qui fuit cette fois en Syrie, au Liban, en Jordanie, au Koweït à partir de 1961, en Égypte, ou qui se réfugie dans la zone de Gaza. La zone de Gaza qui comptait à peu près 90 000 personnes avant la proclamation de l'État d'Israël et qui voit tout à coup arriver 200 autres 1000 personnes. Donc on va parler désormais d'un chaudron. Le terme là aussi n'est pas anodin. Il est extrêmement intéressant. En tous les cas, on voit arriver à ce moment-là un nouveau problème et là aussi une nouvelle question. Une question qui est à ce moment-là encore une question, on va dire, régionale. Une question qui intéresse d'ailleurs les pays alentours, à commencer par l'Égypte. Nasser crée des unités de guérilla, qu'on va appeler les fédaïnes, référence notamment au cher Al-Qassam. Les fédaïnes qui sont censés intervenir sur le territoire d'Israël. Pendant ce temps-là, sur le territoire d'Israël, la communauté arabe, elle, s'organise dans la légalité. On voit des groupes, je dirais, plutôt de négociation ou de discussion, comme le groupe Al-Ard, émergé dès 1959. Mais il apparaît que la question israélo-palestinienne, ou en tout cas la question palestinienne, est devenue un enjeu. C'est devenu un enjeu politique, un enjeu d'appropriation. Et là aussi, quel est le groupe, quelle est l'organisation qui va parvenir à récupérer cet enjeu? Le groupe qui s'impose à ce moment-là, c'est un groupe qui va avoir un rapport très spécifique à la violence politique, c'est le FAT, ou le Fatah. Il a été créé en 1959 au Koweït. Il a notamment été fondé par un étudiant qui vient d'Égypte, mais qui est un Palestinien, qui s'appelle Yasser Arafat, qui va organiser ce groupe, je dirais, de 1952 à 1956. Par la suite, à lui succède Salah Khalaf
qui va également participer à toute l'histoire du FATA et qui va réorganiser, je dirais, intellectuellement le groupe autour de plusieurs sources. Il y a l'islamisme, il y a du nationalisme, il y a du marxisme. On va dire que le FATA a un certain flou idéologique qui est intéressant et qui se construit finalement autour de deux exils. Puisque les Palestiniens inquiètent l'ensemble de la zone, ils inquiètent non seulement les Israéliens, très logiquement, ils inquiètent aussi Nasser et l'Égypte, qui les expulsent vers le Koweït. Donc, on a là un problème qui est un problème qui est en train de devenir un problème régional, mais dont aucun pays n'a véritablement envie de se charger. Et tout l'enjeu pour les Palestiniens à partir de là, ça va être de faire émerger ce problème et d'en faire un problème arabe. Pour cela, là aussi, le terrorisme est une solution, c'est un moyen de communication. C'est Jürgen Habermas qui en parle comme d'une communication pathologique, et on est vraiment là dans cette manière de penser le terrorisme. C'est une forme de communication pathologique qui permet d'élargir le problème et de sensibiliser de manière violente l'ensemble des États aux alentours. Comment est-ce que là aussi ça se passe? Le FATA, qui était une organisation nationaliste normale au sein d'une nébuleuse d'associations palestiniennes, se dote d'une structure clandestine, une structure de guérilla, qui revendique la voie insurrectionnelle, qui s'intéresse d'autant plus à ces méthodes ou à ces modèles que, on vient de le voir, notamment en Algérie, ces méthodes fonctionnent, de même que ça a fonctionné pour Israël et pour le terrorisme sioniste, et qui par conséquent va basculer dans ce qu'on appelle la lutte armée, va y basculer d'autant plus logiquement que les guerres, l'ensemble des guerres du monde arabe contre Israël, et notamment la guerre des six jours, est la démonstration que la solution militaire ne fonctionne pas. Donc il faut une autre solution. C'est à partir de là que se met en place, en 1968, ce qu'on va appeler la solution par la révolution armée. C'est ainsi qu'est formulée par le FATA la stratégie employée. La révolution armée, c'est la bataille de Karamé en Jordanie, qui va être un modèle qui oscille entre violence politique, guérilla et petite guerre, entre guillemets. Un modèle qui est également récupéré du côté de la théorie des focos, des foyers. Là, c'est Che Guevara et c'est l'équivalent latino-américain des maquis. C'est-à-dire que Tous ces gens qui ne s'appellent pas encore des terroristes, qui ne se considèrent pas comme des terroristes, vont chercher des modèles qui prônent soit dans la résistance, soit dans la décolonisation, soit dans les focos de Cuba, des modèles d'action et un répertoire d'action pour une nouvelle forme de guerre, une nouvelle forme de violence. Là, on est clairement dans cette idée qu'il y a des nouveaux acteurs internationaux et des acteurs que ni les États, ni les sociétés internationales ou les organisations internationales n'ont encore envisagés. Et des acteurs qui se cherchent des modèles et des répertoires d'action, justement, dans toute cette violence politique alternative. L'autre enjeu pour le FATA, ça va être de prendre le contrôle, finalement, de l'organisation qui incarne ces espoirs palestiniens, à savoir l'OLP. Ce contrôle de l'organisation, ça se fait à partir de 1968 aussi. C'est une manière de sortir de la clandestinité et c'est surtout une manière de jouer entre, d'un côté, l'usage de la violence et, à côté, l'usage aussi, finalement, d'une dénomination d'État en exil. Yasser Arafat va parfaitement jouer de cela. Il va se présenter à l'extérieur comme le chef d'un État en exil à la tête d'une organisation, l'OLP, qui revendique l'existence de cet État, une fédération d'États. À l'intérieur, il va par contre être effectivement aussi le chef d'opposants, un chef révolutionnaire qui prône des méthodes révolutionnaires pour sortir de la situation. Le fait est que Yasser Arafat est confronté là aussi à une nébuleuse, à une nuée d'organisations différentes. Et là, on va basculer à d'autres méthodes ou à d'autres moyens dans le terrorisme. Le FATA fait une guerre ou une petite guerre, une forme de guérilla avec des actions ponctuelles sur le territoire israélien. Et ça s'arrête là. Mais au sein de l'OLP, on trouve d'autres groupes qui ont des ambitions et même des idéologies assez différentes. Des groupes qui sont souvent subventionnés et soutenus par différents pays. La Syrie
va inspirer un groupe qui s'appelle la Saakiya. L'Irak subventionne le Front de Libération Arabe. Le Liban soutient le mouvement, le mouvement nationaliste arabe, lequel va se scinder en plusieurs structures. Le poids du Liban, là, va être important. Des structures qui, dans la mémoire française, résonnent beaucoup plus. Le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, de Georges Habash. Le Front Démocratique de Libération de la Palestine, de Naïef Awatmé. Ou encore, j'en cite au passage, le Front Populaire Commandement Général de Ahmed Djibril, etc., etc. Tous ces groupes-là, qui sont sponsorisés, entre guillemets, par le Liban, sont eux des groupes qui ont déjà, on est dans les années 70, basculé vers une autre idéologie, qui ont teinté leur nationalisme d'extrême-gauche. Ce sont des groupes d'extrême-gauche, et ces gens-là vont chercher un répertoire d'action, non plus seulement dans ce qui s'est fait, notamment au FLN, mais vont aller chercher du côté du Viet Minh. On parle de créer un Hanoï arabe à Beyrouth, par exemple. Ils vont chercher leur répertoire d'action aussi du côté de l'extrême gauche, que celle qu'elle soit latino-américaine, où il y a la plupart des théoriciens du terrorisme, ou notamment l'extrême gauche européenne, et vont proposer aussi des méthodes, là, très différentes, qui s'apparentent beaucoup plus à ce terrorisme contemporain que l'on connaît. Que ce soit une revendication à partir de 68, intégrée d'ailleurs dans la charte de l'OLP, de lutte armée, hein. On est passé de cette notion de petite guerre ou d'insurrection à la lutte armée, et d'autre part, une guerre de partisans qui va utiliser des moyens nouveaux. C'est le moment, à partir de 70, où on commence à avoir les premières bombes, notamment à Tel Aviv, hein, un des premiers attentats terroristes médiatisés. C'est la bombe abandonnée en 70 dans un cinéma par Fatma Bernaoui, première terroriste à vraiment être mise en avant par le mouvement. C'est surtout des méthodes qui, là aussi, vont avoir pour enjeu de populariser, d'internationaliser la question. Une partie des gens de l'extrême-gauche ont compris qu'il fallait internationaliser cette question palestinienne. Si vous voulez avoir quelques résultats, ça passe par différents moyens. L'un des théoriciens de ces moyens s'appelle Wadi Haddad. C'est lui qui va penser, justement, comment utiliser les détournements d'avions pour populariser le sujet. Alors, en termes de détournement d'avion, c'est vrai qu'on reste toujours impressionné. L'image qui est gravée dans nos têtes, c'est celle du 11 septembre, qui est probablement l'attentat le plus symbolique en termes de détournement d'avion. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dès les années 70, les groupes palestiniens vont utiliser très largement les détournements, médiatiser, imaginer le détournement de 4 avions qu'on fait atterrir dans un désert jordanien, par exemple, et que l'on fait exploser devant les caméras des reporters rassemblés pour l'occasion, après bien sûr avoir sorti tous les passagers. Ce sont ces pratiques-là qui permettent, dans un deuxième temps, de finalement populariser la question palestinienne. Des stratégies qui sont extrêmement efficaces. Outre la figure assez connue de Yasser Arafat, sont mises en avant d'autres figures. L'une des figures les plus célèbres est celle que les journalistes anglais, la pin-up terrorist Leila Khaled, qu'on va faire figurer. Une femme est justement à l'époque extrêmement jolie, toute jeune. On la fait figurer régulièrement sur toutes les photos de détournement avec une Kalachnikov et un keffieh. Bref, il y a un enjeu de communication pour des groupes qui ont compris, je dirais, l'une des autres données majeures du terrorisme, c'est l'enjeu de la communication. C'est que le terrorisme distingue les cibles et les victimes. Les victimes, ce sont les gens, entre guillemets, qui sont blessés ou en tout cas restent sur le carreau. La cible, ce sont les opinions publiques, les sociétés, les États, les organisations internationales. On va dire que les gens qui, autour notamment du FPLP principalement, font passer un cran au-dessus le terrorisme palestinien, sont des gens qui ont parfaitement compris quel était l'enjeu de cette communication. Ça nous amène à l'une des autres définitions du terrorisme qui était intéressante, qui est celle de Raymond Aron, qui considérait que le terrorisme, c'était des moyens, une violence où le résultat était en rapport, enfin, il n'avait quasiment pas de rapport avec la violence utilisée, une violence très ponctuelle pour un résultat gigantesque. Il y avait un effet d'échelle. On est effectivement dans ce cas-là et on rentre là dans un terrorisme qui va utiliser la communication.
qui va jouer mais de manière virtuose avec la communication. Ce sont donc déjà un ensemble de détournements d'avions extrêmement efficaces. Le plus célèbre étant, je vous l'ai dit, ce détournement en 1970, ce Skyjack Sunday, qui permet le détournement de 4 vols. Imaginez aussi ce que ça fait dans une période où notamment les avions commencent à s'imposer comme un moyen de transport rapide, efficace. C'est le moment où, dans nos sociétés, on va voir apparaître dans les aéroports des portiques. Hein, maintenant, tout le monde passe sous un portique. À l'époque, c'était l'une des mesures extrêmement nouvelles pour lutter contre les détournements d'avions et contre cette forme de violence. L'idée, en tous les cas, c'est que petit à petit, la question devient une question mondialisée, internationale. C'est d'ailleurs pas un hasard si on va voir entrer dans l'affaire des gens qui ne sont plus des Palestiniens. L'extrême gauche européenne fréquente largement les camps palestiniens pour s'entraîner. Alors là aussi, il y a tout un tas d'histoires à raconter, mais on va passer ça, c'est pas forcément le sujet. On voit pour la première fois, il faudrait aussi parler des méthodes, on voit pour la première fois des terroristes étrangers, par exemple des terroristes japonais, on est en 72, commettre le premier attentat suicide. C'est ce qu'on appelle l'attentat de Lod, dans l'aéroport de Tel Aviv. Attentat qui va marquer non seulement les esprits des Palestiniens, qui se disent, bon, si des étrangers viennent pour se suicider pour notre cause, c'est que notre cause est légitime, et surtout c'est qu'on peut utiliser ces méthodes qui sont impressionnantes, et qui vont populariser là aussi une autre forme de terroriste et une autre image du terrorisme, bien plus impressionnante. On est là dans une logique de terreur. Le fait est aussi que, bah, vous le voyez, la question palestinienne, dans ces années-là, commence à grandir. La communauté palestinienne installée, que ce soit dans les camps au Liban, au risque justement des interventions des Israéliens, que ce soit en Jordanie, que ce soit en Égypte, enfin que ce soit dans la plupart des pays alentour, la communauté palestinienne devient un problème. Ceux qui vont les premiers être confrontés de manière extrêmement brutale à ce problème, ce sont les Jordaniens. La Jordanie vit une situation compliquée où une grande partie de sa population est une population palestinienne et où la communauté palestinienne petit à petit s'impose et en tout cas elle revendique un certain pouvoir, hein, l'OLP revendique un pouvoir sur la communauté palestinienne en Jordanie, au point où justement le conflit entre les autorités jordaniennes et les Palestiniens devient un conflit de plus en plus difficile, violent. Ça sera établi, la première étape, ça va être en septembre 1970, un attentat palestinien contre le roi Hussein de Jordanie. Donc l'idée, c'est que cette fois, les Palestiniens, la communauté palestinienne et surtout l'OLP veut imposer sa voix en Jordanie. Suivi dans un deuxième temps, la monarchie jordanienne décide de frapper militairement les Palestiniens, c'est l'opération qui va du 17 septembre au 6 octobre 1970 et qui voit l'armée jordanienne écraser l'ensemble des réduits palestiniens en Jordanie. Et c'est la naissance derrière ça de Septembre Noir. Pourquoi est-ce que je vous fais là aussi toute cette historique un peu long? C'est parce que Septembre Noir, c'est le groupe qui va comprendre que, un, il faut élargir la question non plus seulement au monde arabe, mais qu'il faut élargir à l'ensemble des sociétés occidentales pour obtenir une solution, un groupe qui est plus ou moins lié à l'OLP, qui le fondateur du groupe Abou Iyad, Salah Khalaf, on en a parlé tout à l'heure, va lui considérer qu'il faut passer encore à une autre étape dans cette logique médiatique. Et cette autre étape, vous la connaissez aussi, c'est la célèbre prise d'otage de Munich, du 5 au 6 septembre 1972, une prise d'otage extrêmement impressionnante, puisqu'on est dans un lieu bien sûr symbolique, hein, prendre en otage des athlètes israéliens à Munich, c'était les jeux théoriquement de la paix, c'est absolument pas innocent. Une prise d'otage qui va être suivie par l'ensemble des médias, hein, que ce soit les téléspectateurs, que ce soit les journalistes, il y a plus de 2000 journalistes qui observent ce qui est en train de se passer. En termes de communication, c'est une réussite. Par contre, c'est une prise d'otage qui tourne extrêmement mal. Qui tourne extrêmement mal, puisque, et là aussi on peut dire que l'Europe, à ce moment-là, on est en 72, prend conscience qu'il y a un problème terroriste et qu'il n'est pas, on ne peut plus le cantonner au monde arabe. Les autorités allemandes
n'arrivent pas à gérer la question de la prise d'otage, elles n'ont pas les moyens, je dirais, techniques de la gérer. Les Israéliens ne veulent pas intervenir dans cette affaire et ça tourne au carnage. D'un côté parce que les forces de police allemandes interviennent d'une manière assez désordonnée, d'autre part parce que les terroristes décident de se débarrasser de leurs otages. Le drame, entre guillemets, de Munich derrière devient un drame européen, je dirais un drame international. C'est le moment où la plupart des sociétés, enfin des États, commencent à se doter de services antiterroristes. Pour l'Allemagne, ça va être le GSG9, qui va être l'un des grands services antiterroristes par la suite. En tous les cas, donc, c'est le moment où, d'un côté, la question palestinienne est devenue une question internationale, avec, entre guillemets, des échos en Europe, et des échos extrêmement violents. C'est aussi le moment où, entre les Palestiniens et les Israéliens, on va passer par une logique d'affrontement, cette fois beaucoup plus dure. Hein. Golda Meir décide de lancer de son côté l'opération Point de Dieu, qui est l'assassinat de l'ensemble des personnes responsables de l'affaire de Septembre Noir. C'est une opération qui va durer de 72 à 88, mais qui montre que désormais, on est rentré dans une autre forme de conflit que du côté palestinien, on appelle une sale guerre ou une guerre de l'ombre, mais finalement qui est une guerre réelle. Alors, vous avez d'un côté, je dirais, toute la logique, ça je vais pas y revenir, mais toute la logique des efforts internationaux pour régler le conflit israélo-palestinien et notamment le rôle des Américains dans l'affaire, et d'autre part une lutte sourde entre Palestiniens et Israéliens à coup d'attentat qui commence et qui va continuer pendant assez longtemps. Il faudrait évoquer la manière dont finalement ces groupes petit à petit répandent cette violence un peu partout en Europe. Pour la France, l'un des noms les plus célèbres, c'est le groupe organisé par Abou Nidal, Al-Iqab, qui lui aussi va se faire connaître par une série de prises d'otages, hein, c'est le moment aussi où la prise d'otages se développe, par une série d'attentats, l'un des plus célèbres est l'attentat de la rue des Rosiers en 1982, attentat qui voit aussi se mettre en place un lien entre l'extrême gauche française, enfin l'extrême gauche terroriste française, Action Directe, et le groupe Abou Nidal. Donc, on a désormais non seulement une galaxie, mais surtout on commence à parler d'une internationale. C'est-à-dire que l'idée qu'il puisse exister une internationale terroriste affleure, non seulement dans les médias, mais aussi dans les sociétés et dans les États. Une internationale terroriste dont on aimerait quand même bien trouver aussi les origines. Et l'autre question qui se pose à partir de là, c'est quels sont les pays qui peuvent être des havres pour ces gens-là. Le terrorisme joue, c'est une violence entre guillemets transnationale, hein, qui joue des frontières et qui joue finalement de la porosité des frontières pour des acteurs non étatiques. Le terrorisme palestinien va particulièrement jouer de ça. D'abord en Jordanie, on a vu que ça tournait mal à partir de 70, puis au Liban, dans un deuxième temps, jusqu'au moment où Israël intervient dans le sud Liban à partir de 75, ce qui déclenche aussi la guerre du Liban. Bon, là aussi, c'est une autre histoire, mais on va dire que cette question israélo-palestinienne a contaminé l'Iran, a contaminé le Liban jusqu'à mettre en place la guerre civile qui s'arrête dans les années 90. C'est le moment aussi où les Palestiniens de havre de paix en havre de paix, entre guillemets, vont aboutir à la Libye. À la Libye et à la définition d'un nouveau type d'État. L'histoire de la Libye, là aussi, il faudrait la faire, et c'est une histoire importante, mais ce qui est intéressant, c'est que le colonel Kadhafi, à partir, je dirais, des années 80, à partir de 82, accepte d'accueillir, lui aussi, les Palestiniens, et surtout l'exécutif palestinien. Kadhafi, lui, a une autre vision, entre guillemets, des relations internationales, qui consiste à dire on peut utiliser le terrorisme. La violence politique est un moyen. Il le revendique, bon, plus ou moins discrètement, mais il le revendique d'une manière réelle, c'est-à-dire qu'il commandite certains attentats. Au moment où c'est à partir des années 80 qu'il va se heurter lui aussi aux États-Unis. À partir de 1985, Ronald Reagan est un des premiers à définir ce qu'on va appeler les rogue states, les États voyous, et va bien évidemment assimiler la Libye aux États voyous. Donc, on rentre là dans les années 80 encore dans une autre forme de réflexion autour des relations internationales et autour du terrorisme. C'est l'idée qu'il puisse y avoir des États qui revendiquent le terrorisme, qui l'utilisent comme un moyen, plus ou moins assumé, mais comme un moyen. Ce ne sont pas des États qui utilisent un terrorisme d'État, hein, ça,
à la limite, c'est vraiment un autre débat et on ne va pas rentrer là-dedans, mais qui puisse utiliser le terrorisme comme un levier, comme un instrument. Donc c'est le cas de la Libye. La Libye, en tout cas, va être définie comme telle. L'affaire importante, c'est l'affaire de l'Aquilée Lauro. Et là, on est pour le coup vraiment en Méditerranée, un navire de croisière qui est détourné le 7 octobre 1985 à Port Saïd. On est dans une affaire qui est d'abord une affaire américano-libyenne. D'un côté, Ronald Reagan essaye de gérer l'affaire. De l'autre côté, on va dire que l'affaire de l'Aquilée Lauro met en avant le rôle des Palestiniens, mais montre aussi que l'un des pays qui est le plus protecteur de tout ça, c'est la Libye. Et l'aboutissement, entre guillemets, c'est d'une part la fin du... la fin de la prise d'otage assez rapidement, mais aussi la mort d'un otage américain qui s'appelle Léon Klinghoffer, et ce qui va être considéré par les Américains comme, je dirais, la marque ou la démonstration qu'on est là aussi face à une forme de guerre. Différence intéressante, je fais une incise mais importante, différence intéressante entre Français, par exemple, et Américains sur la question du terrorisme, là où les Français ont, jusqu'à 2015, traité le terrorisme comme une affaire qui doit être traité de manière par la justice, entre guillemets, et autour de procès, les Américains, depuis la fin du 19e siècle, considèrent que le terrorisme est une forme de guerre qui leur est imposée par l'extérieur. Donc tout acte terroriste relève d'une guerre et doit être traité directement par l'armée. C'est ce qui va expliquer assez rapidement les méthodes employées par Reagan contre la Libye, à savoir, dans un premier temps, lorsque le commando qui avait organisé la prise d'otage de l'Aquilée Lauro est exfiltré vers la Libye, le détournement de leur avion par l'aviation militaire américaine qui fait atterrir l'avion en Italie et qui exige l'extradition des terroristes, l'Italie va refuser. Et dans un deuxième temps, surtout, à partir de là, le bombardement d'une base de missiles libyen dans un premier temps en mars 1986, et surtout l'action à partir d'avril 1986 du raid opéré contre le quartier général du colonel Kadhafi à Tripoli. Derrière ça a émergé, je dirais, dans la grille de lecture des diplomates et, je dirais, du système international, l'idée que certains États sont des États voyous, que le terrorisme se traite sous forme de guerre et non plus seulement sous forme de conférences internationales et de dispositifs judiciaire au niveau international, et qu'à partir de là, on rentre là aussi dans une histoire beaucoup plus, un nouvel âge du terrorisme où il y a une escalade de la violence, et principalement une escalade de la violence militaire. Ce qu'on peut dire, c'est que cette cause palestinienne, qui commence à prendre une ampleur délirante, s'internationalise de plus en plus. Je vous l'ai dit, on voit émerger au sein de la cause palestinienne des gens qui, a priori, n'avaient pas grand lien avec la Palestine. On pourrait évoquer des terroristes nicaraguayens qui vont participer au FPLP. Le cas le plus célèbre, c'est encore Carlos, Ilich Ramirez Sanchez, qui est vénézuélien, mais qui se définit comme un terroriste palestinien, islamiste, qui encore récemment, lors de son dernier procès, là, a fait un aveu dans ce sens. On voit également participer à cette question palestinienne des gens de l'armée rouge japonaise qui viennent se battre aussi contre les Israéliens, notamment, c'est une affaire aussi à Lod. On voit également des détournements extrêmement importants d'avions qui, là, ne se terminent plus dans l'ère méditerranéenne, mais désormais vers l'Afrique, c'est notamment l'affaire d'Entebbe. L'affaire d'Entebbe est très intéressante puisque pour la première fois, ce sont les Israéliens qui directement interviennent pour récupérer leurs otages. C'est-à-dire qui, en violation de tout ce qui relève du droit international, vont intervenir. C'est une opération militaire qui est menée de manière extrêmement rapide sous forme de commando pour intervenir contre le groupe à l'époque, c'est un mélange entre Septembre Noir, Abu Nidal, le FPLP, l'Azala. Enfin, il y a une espèce de nébuleuse terroriste qui s'est organisée autour d'Entebbe. Et on a là la démonstration que finalement, le terrorisme s'exporte, que la question n'est plus réservée même à l'espace méditerranéen et aux pays qui sont bordiers de cet espace et qui peuvent participer au débat, mais
que n'importe quel pays peut, à un moment donné ou à un autre, se trouver confronté à cette question palestinienne et à la manière dont elle s'organise. Je voudrais passer sur les différents épisodes et je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qu'on peut remarquer toutefois, c'est que finalement, et là aussi c'est dans peut-être la question de la sortie du terrorisme, cette solution de la violence politique prônée par les Palestiniens, qui a été, c'est pas du cynisme, innovante dans le domaine de la communication, dans le domaine des moyens, dans le domaine des méthodes, dans le domaine des stratégies et des tactiques, finalement ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné et on pourrait dire que la dernière étape, c'est le passage à partir de 1987 dans l'intifada, c'est-à-dire dans une solution peut-être plus populaire qui déstabilise non seulement l'exécutif palestinien, mais qui déstabilise également les Israéliens. C'est-à-dire que face à ce qui était devenu finalement une norme et une forme de violence spécifique, une forme de guerre, je mets vraiment des guillemets autour de cette expression à laquelle tout le monde était habitué et finalement pour laquelle tout le monde avait déjà envisagé des stratégies, des contre-stratégies et des tactiques spécifiques, l'intifada, dans un premier temps, la deuxième intifada à partir de 2000, va être une immense surprise qui déstabilise complètement le jeu et qui fait basculer finalement cette question israélo-palestinienne dans une autre histoire. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'intifada, mais est-ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement la démonstration est que si la question palestinienne s'est imposée grâce au terrorisme, elle n'a pas été résolue, loin de là, grâce au terrorisme. Et la proclamation par l'OLP d'un État palestinien en 1988 procède a priori beaucoup plus de ce mouvement populaire que des résultats de la, entre guillemets, du terrorisme palestinien. Alors, cette première vague, entre guillemets, on voit qu'elle a des échos extrêmement importants, c'est-à-dire qu'on part de cette question de ce terrorisme sioniste et de ses succès finalement pour aboutir à une question palestinienne et à un renouveau du terrorisme. Il faudrait, je ne sais pas combien de temps il me reste, à peu près 10 minutes, il faudrait peut-être évoquer, je ne vais pas évoquer là, l'autre modèle important pour tous ces pays-là, et c'est un point qui pourrait être bien, l'un des modèles importants a bien évidemment été la résistance française, enfin, la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'idée que le terrorisme, si on l'appelle autrement, peut être légitimé par une volonté de libération du territoire. Je passerai sur les terrorismes nationalistes ou de décolonisation qu'on peut retrouver pour aboutir directement à une autre question qui est à la mode aussi, qui est importante et qui intéresse vos élèves et comme mes étudiants, c'est celle de l'islamisme. Là, tous les terrorismes qu'on a vus là sont des terrorismes d'inspiration nationaliste avec, à partir des années 70, un tournant d'extrême gauche. Mais il n'y a pas forcément de dimension religieuse. On voit émerger aussi à partir de 79 une autre forme de terrorisme autour de questions importantes, d'une succession, je dirais, d'événements importants. Ça a été d'une part dans le monde chiite la révolution iranienne et l'émergence de la République islamique d'Iran. Ça a été dans un deuxième temps l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique et l'idée que pour la première fois le monde musulman se découvre une cause commune qui va être cette question afghane et qui va servir finalement un petit peu comme la guerre d'Espagne pour les démocraties avant la Seconde Guerre mondiale, qui va servir à former une internationale combattante qui va par la suite s'exporter un peu partout dans les pays arabes. Et c'est surtout aussi la signature des accords de Camp David entre l'Égypte et Israël et l'idée finalement que la question palestinienne ne peut pas être réglée par un règlement militaire et s'impose donc d'autres solutions, le terrorisme. Pour ça, il faut revenir là aussi très rapidement, et j'en ai conscience, sur cette idée d'islamisme. Question traditionnelle aussi, qu'est-ce que c'est que l'islamisme ? C'est une idéologie politique avec différents moyens pour aboutir à la réalisation d'un idéal, qui est l'idéal d'avoir un pouvoir politico-religieux à la tête de l'islam. C'est une idéologie qui émerge à la fin des années 20, après la disparition du sultan ottoman. Cette idéologie est d'abord, dans un premier temps, une idéologie essentiellement politique autour d'un personnage qui s'appelle Hassan al-Banna, fondateur des Frères musulmans, qui prône, lui, d'investir le champ politique, mais de l'investir
de manière un peu masquée, il se présente comme une confrérie religieuse qui pratique une politique sociale d'ampleur pour reconquérir les populations et par la suite les amener à voter pour une structure politique qui serait islamiste. Ça, c'est dans l'Égypte, je dirais, des années 30-40. Première étape, une vision politique. Rapidement, il se trouve que les frères musulmans s'associent à d'autres groupes, notamment à des groupes nationalistes, et vont participer à la prise de pouvoir des colonels en Égypte, et principalement de Nasser. Ça, c'est en 1952. Suivi en 1954 d'une étape où les frères musulmans, étant finalement des concurrents directs et dangereux du nassérisme, vont être écartés et plus ou moins chassés du pouvoir par Nasser. C'est le moment où, au sein de l'islamisme, un autre courant émerge, qui n'est pas un courant politique, qui lui prône la violence politique. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que si la solution politique ne fonctionne pas, passons à la solution violente. Ce courant s'organise autour d'un personnage extrêmement intéressant qui s'appelle Saïd Qutb, qui est un des disciples de Hassan al-Banna et qui lui considère que la violence politique est le chemin le plus important. C'est surtout lui qui va forger une des premières visions de la société internationale par l'islamisme. Une vision qui va par la suite être déclinée par tout un tas de gens, mais qui cherche à comprendre comment fonctionne la société internationale et finalement comment, dans cette société, on peut faire émerger cet universalisme alternatif à l'universalisme, entre guillemets, occidental, européen, des Lumières, tout ce que vous voulez, cet universalisme alternatif qu'est l'islamisme. Donc, une vision nouvelle, une vision qui va aboutir, là aussi, à des revendications de violence politique, d'abord en Égypte, le centre, l'épicentre du djihadisme, on va l'appeler comme ça pour le distinguer de l'islamisme tout court. L'épicentre du djihadisme va être l'Égypte à partir de la naissance des premiers groupes violents. C'est en 79 un groupe qui s'appelle le djihad islamique, autour de différents personnages. On croise là des gens qui sont des théoriciens, des idéologues. On croise également un jeune homme qui s'appelle Ayman al-Zawahiri, et qui est l'un des futurs créateurs d'Al-Qaïda. Donc là, il y a aussi un chaudron qui se met en place, un chaudron qui va aboutir à un attentat extrêmement médiatisé en 81 qui coûte la vie à Anwar el-Sadat, l'homme d'ailleurs qui était le lien entre le groupe des colonels et les frères musulmans, détail, mais surtout un groupe qui va petit à petit développer toute une violence politique en Égypte. C'est là qu'émerge cette violence politique. Une violence politique qui est déclinée par différents groupes, la Gamma Islamia, le djihad islamique. Une violence politique qui, petit à petit, s'exporte à partir de 1979 en Afghanistan. Le même Ayman al-Zawahiri, ainsi que d'autres, vont aller exporter leurs compétences et leurs capacités en Afghanistan, ce qui fonctionne assez bien, et une violence politique qui, à la fin de l'affaire afghane, revient directement dans les pays là aussi bordiers de la Méditerranée, que ce soit en Syrie, que ce soit en Égypte, que ce soit en Jordanie, où tous ces gens désormais soudés, organisés, entraînés militairement et qui disposent de moyens qui sont des moyens militaires, vont passer justement à l'étape supplémentaire de la violence politique, c'est-à-dire l'utilisation finalement de la violence pour déstabiliser des sociétés qui prônent une autre culture politique, celle du bas, c'est celle d'un socialisme nationaliste bontain qui est en train de disparaître, que ce soit en Irak, en Syrie, en Égypte, etc., etc. Donc là aussi, on a deux courants qui s'affrontent. On est très loin désormais des questions palestiniennes. Le courant djihadiste s'impose par la vision qu'il va proposer de la société, de l'histoire et des moyens de transformer cette histoire. On croise là des acteurs qui sont à la fois des acteurs terroristes, mais qui sont surtout désormais d'un côté des théoriciens et des gens qui sont d'excellents organisateurs. Oussama Ben Laden n'est pas un guerrier, par contre c'est un organisateur et c'est quelqu'un qui sait faire transiter des sommes. Ça c'est extrêmement important aussi, avec cette idée que finalement, à partir d'une question qui était simplement une question liée à l'État égyptien et à la manière dont les frères musulmans et Nasser ont pu s'affronter, on va déboucher sur une véritable stratégie de guerre civile.
menée un peu partout, que ce soit en Égypte, que ce soit en Syrie, que ce soit en Jordanie, une stratégie de guerre civile qui s'étend là aussi à l'ensemble du croissant. Il faudrait évoquer dans la même... Il y a beaucoup de choses et c'est tout le problème de ce sujet. Il faudrait évoquer dans la même sphère la question algérienne, l'islamisme algérien, beaucoup plus tardif, dans les années 90, mais finalement sur la même matrice, à savoir d'un côté un état profond militaire et de l'autre côté une manière de lutter qui va être celle de la violence politique. Là, si on va peut-être passer un peu de temps pour des questions, si jamais il y a des questions qui se posent sur ce sujet. Derrière ça, finalement, et je vais conclure peut-être là-dessus, il y a cette idée que le djihadisme s'est étendu là aussi ses problématiques à l'ensemble de la société internationale, des problématiques qui sont celles d'une conception du monde qui est alternative à la conception du monde telle qu'elle est prônée par l'ONU, des problématiques qui sont celles aussi, petit à petit, d'une territorialisation, c'est-à-dire que les groupes, on est passé d'abord de groupes qui étaient des groupes terroristes locaux ou régionaux comme la Gamma Islamia, comme le djihad islamique, qui ne visaient que l'Égypte ou qui visaient le pouvoir égyptien, à des groupes qui petit à petit vont revendiquer, je dirais, un projet universaliste. C'est le cas d'Al-Qaïda, qui rêvait de devenir, je dirais, un groupe politique, enfin une organisation politique de masse, qui n'a jamais réussi à faire ça, qui rêvait de s'implanter dans un territoire pour créer véritablement un califat, ce qu'il n'a pas réussi non plus à faire, et dans un troisième temps, un nouveau groupe issu d'une scission d'Al-Qaïda et surtout d'un conflit de management, à savoir Daesh, lui réussit à s'implanter, à créer un califat et à finalement obtenir ou réussir ce projet que l'islamisme portait depuis les années 20, à savoir la recréation d'un pouvoir politico-religieux au sein de l'islam. Et là-dedans, la nouveauté ou l'originalité, la singularité de Daesh, c'est justement d'utiliser le terrorisme, de revendiquer non pas le terrorisme mais une violence politique face à ceux qu'elle définit comme étant les terroristes, à savoir les occidentaux qui l'empêchent d'exister, et surtout de créer un territoire à partir duquel l'idéologie peut commencer à se répandre. Alors bien évidemment, ça c'est une histoire qui récemment s'est interrompu, mais ce qu'on peut constater, et je dirais que c'est le troisième point, on voit que tous ces groupes-là ont su, exactement comme les Palestiniens, surfer sur une notion fondamentale qui est celle de la communication et de la propagande, pour développer ce projet et pour petit à petit populariser ces thèmes, toucher les sociétés. Tout l'enjeu maintenant, à la fois de cette histoire du terrorisme, mais aussi de l'antiterrorisme, et peut-être de la manière dont nous, on peut l'expliquer à nos élèves ou à nos étudiants, c'est de comprendre comment cet enjeu de la terreur, il se situe désormais autant dans les textes qu'on peut lire, dans les réseaux sociaux, dans la manière finalement dont on comprend la situation, que de ce qui se passe en Syrie, en Irak. Il y a toute une éducation à avoir, et là, l'antiterrorisme est en train d'évoluer aussi, toute une éducation à avoir sur la manière dont on comprend ces phénomènes et dont on peut lutter contre à un simple niveau qui est celui finalement de l'observation des médias et de la compréhension des mécaniques médiatiques utilisées désormais par ces groupes. Voilà.